ce Dick. Eh bien, je parie, on pourrait faire frire un œuf sur ton front, si on voulait. Écoute, ma grande. J'espère que, même maintenant, tu es bien consciente que il n'y a absolument rien de sadique dans mes actes. Avec les autres guignols, peut-être, je ne dis pas. Pas avec toi. Non, ma grande. Là, maintenant, tel que tu me vois, je n'ai jamais été plus masochiste. Bill, c'est ton bébé. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
prêt. Viens là. Amène-toi. Chérie, ça a été à l'école? Maman, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est encore un sale coup de ton chien. Il a réussi à se glisser entre mes jambes, il a couru dans le salon comme un fou. J'ai eu beaucoup de mal à le rattraper. C'est lui qui a tout cassé? Non, non, n'entre pas. Tu vois bien qu'il y a des éclats de verre partout. Ça coupe le verre, tu sais. Tu risquerais de te faire mal. C'est une très vieille amie à moi. On a été à l'école ensemble. Salut. Moi, c'est Judith. Et toi, c'est comment? Elle s'appelle Nikki. Nikki. Un joli prénom pour une jolie petite fille. Et tu as quel âge, Nikki? Nikki, je te pose une question. 4 ans et demi. 4 ans et demi. C'est drôle. C'est l'âge qu'aurait eu ma fille. Elle aurait un peu plus de 4 ans, elle aussi. Bon, Nikki, maman et son amie ont des choses à se dire entre grandes personnes. Alors tu vas aller gentiment dans ta chambre et tu n'en sortiras que quand je te le dirai. D'accord? Nikki, dans ta chambre. Dépêche-toi. Tu veux boire un café? Oui, volontiers. Cette mère au foyer de Pasadena s'appelle Jeanne Bell. Elle est mariée au docteur Laurence Bell. Mais il y a 4 ans, à l'époque où l'on se fréquentait, elle s'appelait Vernita Green. Son nom de code était Vipère Cuivré et le mien Black Mamba. T'as une serviette? Ouais. Merci. Toujours un sucre, un nuage de lait? Ouais. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes très bien. Dis-moi tout de suite, est-ce que t'as l'intention de foutre encore le bordel en présence de ma petite puce? Si ça peut te rassurer. Je n'ai pas du tout prévu de te tuer sous les yeux de ta fille. Finalement, t'es beaucoup plus raisonnable que je le pensais, contrairement à ce que Bill a pu dire. Je suis sans pitié, sans scrupule, sans compassion et sans indulgence. Pas sans intelligence. D'accord. J'agis comme une pourrie avec toi. C'est vrai que je t'en ai mis plein la gueule. Aujourd'hui, je regrette, mais c'est trop tard. Tu as tout à fait le droit de vouloir te venger. Non, 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 non. Non. Si je devais vraiment me venger, il faudrait que je te tue. Et puis que je tue aussi Nikki. Et que j'attende le retour de ton mari, le brave docteur Bell, pour le tuer lui aussi. Là, pour le coup, je serais vengée. Ça remettrait les pendules à l'heure. Bon, écoute, si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Mais c'est hors de question. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que je ne suis plus la même qu'il y a 4 ans. Oh, sans blague. J'en ai rien à cirer. Bon, c'est comme ça que tu le prends. D'accord, je sais que je ne mérite ni ton pardon ni ta pitié. Mais tout de même, si ce n'est pas pour moi, pour ma fille, je te demande de me les accorder. Pauvre conne, arrête ce cinéma tout de suite. Le fait que je n'ai pas envie de te tuer sous les yeux de ta fille ne signifie nullement que tu vas pouvoir m'inspirer de la sympathie en brandissant son portrait. Toi et moi, nous avons une affaire à terminer. Et rien de ce que tu as pu faire en 4 ans, y compris ta fille, ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout, que les choses soient claires. Quand est-ce qu'on règle ça, alors?
Ça ne dépend que de toi. Dis-moi quand tu veux mourir, garce. Demain ou dans 2 jours, peut-être. Et pourquoi pas cette nuit, pourriture? Super, garce. Où ça? Le terrain de baseball où j'entraîne les poussins du quartier est à 800 mètres de la maison. On se retrouve là-bas à 2h30 du matin, vêtu de noir de la tête aux pieds. Tu auras un bas noir sur la tête. Là, on pourra jouer du couteau tant que tu voudras. Il n'y a pas grand monde à cette heure-là. En attendant, je dois préparer les céréales de Nikki. Il a toujours dit que tu es une des meilleures de toutes les filles dans les duels à l'arme blanche. Et moi, je te dis merde. Je suis sûre qu'il n'a pas émis la moindre restriction. Ce genre de conneries, tu sais où tu peux te les mettre, hein, Black Mamba. Black Mamba. C'est moi qu'on aurait dû surnommer Black Mamba. Pour le choix des armes, si tu veux continuer avec ton couteau de boucher, ça me convient très bien. Tu me fais rire, pourriture. Tu me fais trop rire! Je n'avais pas l'intention de faire ça devant toi. Et j'en suis désolée. Mais crois-moi, ta mère l'avait mérité. Quand tu seras grande, si tu ressens encore de la haine pour moi, tu me trouveras. Bushi taru mono, tatakai ni nozon de wa, tada onore no teki o taosu koto ni sennen subeshi.一切の喜怒哀楽、さらに情けは無用なり。邪魔立てする者、それがたとえ神といえども、仏といえども、これを切るべし。これすなわち戦いの根本に隠れし極意。 Alors, fils numéro 1, dis-moi tout. C'est une boucherie indescriptible. On massacrait la noce au grand complet, genre exécution en série. Combien de victimes? 9 morts. Autrement dit, toute la smala. La mariée, le mari, le pasteur, la femme.
femme du pasteur. Ils ont même descendu le vieux noir qui jouait de l'orgue. Apparemment, ceux qui ont fait ça devaient avoir une objection à ce mariage. Nom d'un petit cheval. Quand je te le disais, papa, on dirait qu'un escadron de la mort du feu de Dieu est passé par là. Je te prierai d'arrêter de blasphémer, fiston. On est dans un lieu de prière. Excuse-moi. Ce qui est sûr, c'est que c'est du travail de professionnel. À vue de nez, je dirais une équipe de tueurs mexicains. 4 ou 5, peut-être. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il faut avoir des nerfs d'acier. Ce qui est rarement le cas des amateurs. Ouais, c'est du boulot d'affranchi, ça. On sent qu'il y a un souci de propreté dans le carnage. Même si ça évoque une certaine folie meurtrière, il n'en reste pas moins que... Ils n'en ont pas mis partout, si tu vois ce que je veux dire. Si on avait l'esprit mal tourné, on pourrait presque admirer le style. C'est qui la mariée? On sait pas. Sur le certificat de mariage, il y a marqué Arlène Machiavelli. C'est un faux nom. Nous, on l'a baptisée la mariée. Rapport à sa robe. Pour être enceinte, elle est enceinte. Il faut être malade pour aller loger une balle dans une si jolie tête. Regarde-la. De grands yeux. Blonde à souhait. Un joli petit ange plein de sang. Numéro 1. Oui, j'écoute. Cette grande radasse est encore vivante. C'est vrai que je ne t'ai jamais porté dans mon cœur. Pour dire la vérité, j'ai même la haine contre toi. Mais je dois dire que j'ai aussi un certain respect pour toi. Claquer dans son sommeil, c'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde dans notre métier. Mais je te fais.
ce cadeau. Allô, Bill? Comment va-t-elle? Toujours dans le coma. Où est-elle? Là, juste sous mes yeux. C'est bien, ça. Elle, la mission est annulée. On lui doit mieux que ça. Tu lui dois que dalle! Moins fort, s'il te plaît. Tu lui dois que dalle! Je peux dire quelque chose? Vas-y. Vous l'avez tous roué de coups, mais ça ne l'a pas tué. Je lui ai mis une balle dans la tête, mais son cœur a continué à battre. Tu l'as vu toi-même de ton bel œil bleu. Non? On a fait subir beaucoup de choses à cette femme. Et si jamais elle se réveille un jour, on lui fera bien pire. Mais il y a une chose qu'on ne fera pas. C'est se glisser dans sa chambre en pleine nuit comme des rats. Pour la tuer dans son sommeil. Et pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas? Parce que ce serait nous rabaisser. Vous êtes d'accord, Miss Driver? Peut-être. Peut-être? Non. Pas peut-être. Sûrement. Rentre à la maison. Affirmatif. Je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Ça te fait marrer, toi, hein? Hmm? Si tu veux rester vivante, un conseil. Surtout, ne te réveille jamais, sale pute.
C'est $75 le coup, mon frère. Alors, tu veux toujours la fourrer? Carrément, ouais. $20, $50, $60, $75. Ça marche. Maintenant, le règlement. Règle numéro 1. On cogne pas dessus. Si l'équipe du matin la retrouve avec un cocard ou une dent en moins, ce sera râpé. Alors t'es gentil, tu mets les coups de boule en stand-by. Ah ouais, entre parenthèses, elle crache un peu de temps en temps, c'est purement réflexe. Mais même si elle crache, tu cognes pas dessus. C'est bon, t'as parfaitement assimilé la règle numéro 1? Ouais. Bien, règle numéro 2. Pas de suçon, pas de griffure, en gros, aucune marque visible, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est tout. Et à part ça, tu peux y aller. À côté plomberie, y a plus rien qui marche. Donc sois pas gêné pour envoyer la purée, mais fais ça en silence et proprement. Je reviens dans 20 minutes. Ah, ouais. J'oubliais. Pas tout le temps, mais quelquefois, elle a le conduit qui raille le casque. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à lubrifier. Bonne bourre. Ben dis donc, toi, t'es pas la plus moche que j'aurais sauté aujourd'hui. Inconnu. Alors comme ça, on sait pas d'où tu sors. Moi, je viens de Huntsville, Texas. Je m'appelle Buck. Ça rime avec fuck. Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça. Attendez, je... Texas. D'accord.
Le gros orteil. Bouge le gros orteil. Bouge le gros orteil. Bouge le gros orteil. Étendu à l'arrière du pick-up de Puck, tout en essayant de ramener mes membres à la vie. Bouge, gros orteil. Je revoyais les visages des salauds qui m'avaient fait ça. Et du fumier qui les dirigeait. Tous étaient membres du détachement international des vipères assassines. Quand la chance favorise une chose aussi laide et violente que la vengeance, on y voit une preuve irréfutable, non seulement que Dieu existe, mais qu'on agit selon sa volonté. Alors que j'ignorais encore à peu près tout de mes ennemis, la première sur ma liste, Oren Ishii, fut la plus facile à trouver. Puisque bien évidemment, lorsqu'on s'attelle à la tâche délicate de devenir la reine de la pègre à Tokyo, on ne se prive pas de le faire savoir. Oren Ishii était né sur une base américaine à Tokyo. Moitié japonaise, moitié sino-américaine, cette fille de militaire fit connaissance avec la mort à 9 ans. Âge auquel elle assista au meurtre de ses parents, assassinée par le plus impitoyable chef yakuza du Japon, Boss Matsumoto. Thank you.
Par chance, Boss Matsumoto était pédophile. À 11 ans, elle eut sa revanche. Matsumoto, atashi o mite. Atashi no kao o yoku mite. Atashi no me o mite. Atashi no kuchi o mite. Elle était l'une des plus grandes tueuses du monde. À 25 ans, elle participait au massacre de 9 innocents, dont ma fille quelques semaines avant sa naissance, dans une petite chapelle nuptiale d'El Paso, au Texas. Or, ce jour-là, il y a 4 ans, elle commit une très grave erreur.
Ce n'est pas 9, c'est 10 personnes qu'elle aurait dû tuer. Mais en attendant que j'obtienne satisfaction, commençons par le commencement. Bouge le gros orteil. Le plus dur est fait. Alors, est-ce que les autres remuent maintenant ? Sur Aero, que puis-je pour vous? Un aller simple, pour Okinawa. Bonjour. Aïe, le soleil! Excuse-moi. Bonjour. Anglaise? Américaine. Il n'y a pas de mal. Américaine? Bienvenue à l'Amérique. Domo. Je suis vraiment très heureux. Vous avez dit domo? Vous parlez japonais? Non, non, juste quelques mots. Je ne suis là que depuis hier. J'ai le droit de m'asseoir? Oh, mais oui, bien sûr, je vous en prie. Alors, quel autre mot vous connaissez en japonais? Oh, excuse-moi. Hai, ogakusan! Agari icho, tarumyo, isoide! Ma, daisuki na hirume no miten da yo. Non, de chien, hirume no time it! Ii kara, isoge! Aoi, hop! Ocha wa aiterun da kara, tama ni wa jimun de dashinasai! Aoi, hop! Pour du thé, putain! Excuse-moi. Qu'est-ce que vous connaissez en japonais comme autre mot? Oh, attendez. Arigato? Arigato? Bravo! Non, j'ai déjà dit tomo, hein? Oui, 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 oui. Konnichiwa? Konnichiwa, konnichiwa. Veuillez répéter. Konnichiwa. Bien, bravo, très joli accent. Vous savez bien prononcer à la japonaise. Oh non, ne vous moquez pas de moi. Oh non, 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 je ne me plaisante pas. Je suis très sérieux. Votre prononciation est fabuleuse. Vous dites arigato comme nous disons arigato. Je veux dire arigato. Vous devez apprendre le japonais. Facile. Je crois que c'est très dur, au contraire. C'est vrai, très difficile. Mais vous êtes vraiment doué pour les langues. Et voilà. J'étais un petit peu long. Excuse-moi. Oh, bon sang. Kora! Oi! Agari, dou shita? Osoi! Isoge, kora! Nani nomu? Je vous demande pardon? Boire. Ah oui, une bouteille de saké chaud, s'il vous plaît. Une bouteille de saké? Boh! Askaipo! Saké? Mapiruma kara? Hiru demo yoru demo ii daro, metta ni kyaka konen da kara. Hein? Kono aho, do aho! Nande ore ga itsumo saké hakoba nakia ikenen da? Chanto kiki nasai! 30年間あんた寿司握って俺は酒運び、これが軍隊だったら俺は今頃将軍だよってんだこの野郎。よく語ったね。お前が将軍なら俺は天の陛下だよ。いいか、俺お前は酒を運ぶ役目なんだ。いいか、よく覚えとけこのハゲ。エスクセクレア。ハゲじゃない、そってるだけ。エスクセクレア。
Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est la première fois au Japon? Et on peut savoir ce qui vous amène à Okinawa? Quelqu'un à voir? Oui. Vous avez un ami qui vit à Okinawa? Pas vraiment. Pas un ami? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Comment s'appelle-t-il? Vous savez? Hattori Hanzo. Hattori Hanzo ni itai nan no you desu ka? Nihon to gaitsu you de. Pourquoi avez-vous besoin d'un sabre japonais? J'ai de la vermine à exterminer. Vous avez sûrement de grosses bestioles à tuer pour avoir recours à Hattori Hanzo. Très grosses. Essayez le deuxième AO. Aimer les sabres de samouraï. Et j'adore le baseball. Je tenais à vous montrer cette collection. Mais vous qui avez l'air de savoir tellement de choses, vous savez sûrement qu'il y a quelque temps déjà que je ne fabrique plus. D'instruments de mort. Cette collection, je ne la conserve que pour sa valeur esthétique et affective. Je suis très fier de mon travail et j'y tiens beaucoup. Hélas, tout ça est très loin. Je me suis retiré. Alors donnez-moi un. Ils ne sont pas à vendre. Je n'ai pas dit vendez-moi. J'ai dit donnez-moi. Pourquoi? Pourquoi j'accepterai? Parce que ma vermine a été formée à votre école.
Et étant donné ce qu'elle est devenue, je dirais que vous avez une grande responsabilité. Vous pouvez loger ici. Il me faut au moins un mois pour forger cette lame. Vous en profiterez pour vous exercer. もう二度と作られると神仏に誓ったことを私は破り、そしてやり終えた。人を殺す道具を再び作ってしまった。その目的では私は成功した。 私はこれを作ったのは、達観すればお前の目的に同情しているからだ。うぬぼれではなく、これは私の最高傑作。旅の途上で神が立ちはだかれば神をも決めるであろう。 Un an après le massacre d'El Paso au Texas, Bill apporta un soutien financier et moral à sa protégée nippone dans son combat shakespearien contre les autres clans Yakuza et pour le contrôle du vice dans la ville de Tokyo. Lorsque le dernier sabre fut rengainé dans son fourreau, Oren Ishii et sa bande, les 88 fous, étaient victorieux. Cette jolie femme, vêtue comme une méchante de Star Trek, c'est l'avocate d'Oren Ishii, sa meilleure amie et son bras droit, Sophie Fatale. Elle est moitié française, moitié japonaise. Elle aussi est une ancienne protégée de Bill. La jeune fille en uniforme d'écolière
et la garde du corps personnel de Renishi, Gogo Yubari. Gogo n'a que 17 ans, mais cette jeunesse est largement compensée par la démesure de sa folie. Ferrari nanka suki kana? Ferrari nante italiano no gomi daro. Atashi to yaritai nda. Warau na yo. Yaritai no ka yaritakunai no ka? Dochi de? やりたい? どうなのさ? これでもまだ私を刺した? でも逆に刺されちゃったみたい! Vous voyez ce que je veux dire? Le chauve en costume noir et au masque de Kato s'appelle Jonimo. C'est le général en chef de l'armée personnelle d'Oren Ishii, les 88 fous. Au cas où vous vous demanderiez comment une sang-mêlée d'origine japonaise, chinoise et américaine peut remplir la fonction de parrain de tous les parrains de Tokyo, je vais vous le dire. Le sujet des origines d'Oren Ishii et de sa nationalité ne fut abordé qu'une fois par le Conseil, une seule fois. Précisément le soir où elle s'empara du pouvoir. L'homme qui semble déterminé à casser l'ambiance est Boss Tanaka. Et Boss Tanaka n'a qu'une chose en tête. おい、表面。一体何をするね。今日は祝いの席じゃねえか。あ、本当だよ。え、一体何が起きてんだよ。この組長から堕落が。おっさんまだいるの。堕落の親分。頭がおかしいじゃねえのかい。俺は許さんで。あるさんに失礼だろ。謝れよ。田中さん、堕落とはどういうことです。 うちの親父があんたの親父さんやあんたの親父さんと一緒にこの会作った。あんたらは去って、バカ面下げて、飲んだくれて飲んで吐かなかったら泣いてろ。いいんだよ。今日のことは過ちだってな。何ごたび並び込んじゃこの田中。この会に蹴りつけてんのは罪になるよ、この野郎。田中の親分。 胸に一物おありのご様子、ぜひ本音をお聞かせいただけましょう。今日ここで起きてしまった間違いのことだよ。石井の姉さん、分かんだろうよ。あんたのことだよ。愛力だ。チャイニーズのアイドルアメリカ人リーダーにしまったってことだよ。 Maintenant, pour éviter tout malentendu, et pour ceux qui ne comprendraient pas, Sophie fera une traduction simultanée. En tant que leader, j'encourage grandement mes troupes à discuter respectueusement mes décisions ou ma logique. Si par hasard vous estimez qu'une de mes décisions n'est pas la plus judicieuse qui soit, dites-le-moi tout de suite. Mais alors laissez-moi vous convaincre, et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Exception faite évidemment de celui qui vient d'être discuté. Le premier qui se permettra de faire mention de mes origines sino-américaines en des termes négatifs, je lui tranche sa putain de tête. Comme celle de cet enfoiré. S'il y a dans vos rangs un autre fils de pute qui a encore la moindre chose à ajouter, j'attends qu'il se foute à table! On est donc bien d'accord. Kyowa korema de mishimashu. Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Thank you.
もしもし。会議中ですが、また後でもう一回かけていただけますでしょうか。奥様もご一緒ですか。はい、わかりました。はい。ババアの顔があんの。なんでかって言うと目の前にチンポコ立ってんだよ。そいつのチンポコ。ここ何でしょう、もうそんなこと聞かれたらどうだって思ってんの。そうなんですか。聞いたでしょ。えあんたの首切り落とさせろよ。それもっと嫌だよ。Thank you.
私ですが、はいはい、あの連絡先を教えていただければこちらから連絡します。全然わかりにならないことですね。連絡します。お前は何回寝てんだよな。あ、チャーリーブラウンじゃん。ペパロニピザ4つ。そういううちに置いてないんですよ。いいから持ってこい。これおいしそうかな。ねえねえチャーリー、チューしてチュー。おらんいしー、je n'ai pas oublié qu'on a une date de sang。あんたもだよ。ミキ。Alors, Oren, y a-t-il d'autres sbires à éliminer ? Salut ! Go-go, Dané ! Bingo ! Sochi wa Black Mamba. Watsa ga hitori aruki shiteru mitai da ne. Sou da ne. Go-go, je sais que tu penses qu'il est de ton devoir de protéger ta maîtresse. Mais je t'en supplie. Va-t'en. Onegaigoto no tsumori.
もっとマシな頼み方ないの？Que je pense, hein? Tu ne croyais tout de même pas que ça irait tout seul? C'est drôle. Pendant un instant, si. Je dois dire que j'y ai cru. Vilain petit lapin. Qui voulait faire le... malin. Thank you.
Mais attention, n'emportez surtout pas les membres que vous avez perdus. Ils sont à moi, ils m'appartiennent désormais. Pas toi, Sophie! Toi, tu restes où tu es. Ton instrument est très impressionnant. Où a-t-il été fabriqué ? À Okinawa. Et qui à Okinawa a forgé ce katana ? Hattori Hanzo. Tu dis n'importe quoi ! Les armes ignorent la lassitude. Mais toi, j'ose espérer que tu as encore toute ton énergie. Dans le cas contraire, tu ne tiendrais pas 5 minutes. Comme décor pour quitter ce monde, tu aurais pu tomber plus mal.
L'idiote occidental aime jouer du sabre de samouraï. Si tu ne sais pas te battre en samouraï, au moins tu mourras en samouraï. Ikoyo. Kina.
Sophie. Sophie. Ma Sophie. Je suis bouleversé. Pardon. Pardon, je regrette tellement de t'avoir trahi. N'en parle plus. Mais je... Mais rien, rien du tout. Sinon que mon cœur saigne quand je vois ce qu'elle a fait à ma merveilleuse Sophie. Je t'ai gardé en vie pour deux raisons. D'abord, pour obtenir des informations. Brûle en enfer, espèce de salope blonde! Je ne te dirai rien! Pourtant, je vais te poser des questions. Et chaque fois que tu refuseras d'y répondre, je couperai quelque chose. Et je te prie de croire que ce que je couperai te manquera. Donne-moi ton bras! Tu vas me dire tout ce que tu sais sur les vipères assassines. Est-ce que t'as une idée? Tout ce qu'elles ont fait. De la raison pour laquelle... Et où je peux les trouver. Elle ne t'a pas tué. Ce n'est pas seulement une idée. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit qu'elle avait décidé d'épargner ma chienne de vie pour deux raisons. Comme je te l'ai dit, j'ai décidé d'épargner ta chienne de vie pour deux raisons. La deuxième raison, c'est que je veux que tu puisses lui dire à lui personnellement tout ce qui s'est passé ici ce soir. Je veux qu'il sache à quel point je peux être impitoyable en voyant ce qu'il reste de ton corps. Je veux que tu lui rapportes tout ce que tu m'as dit. Je veux qu'il sache qui je suis. Je veux qu'il sache que je veux qu'il sache. Et je veux que tous sachent que bientôt, ils seront tous aussi morts que Oren. Cette femme a le droit de vouloir se venger. Mais nous méritons de mourir. Je veux qu'elle souffre jusqu'à sa dernière minute. Comment est-ce que tu m'as retrouvé? Je suis une meilleure. Une dernière chose, Sophie. Est-ce qu'elle sait que sa fille est vivante? Thank you.
綺麗とおだてられ咲いて見せればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし憎い悔しい許せない消すに消えない忘れられない月月ぬ月ぬ女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女女恨みいぶし恨み